Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue, dans Cyber Patate. Oh là là, j'ai fait exprès de tirer à côté, hein, fort heureusement, parce que je voulais pas déclencher les flics aussi rapidement. Mais regardez-moi ce fusil! Il a l'air absolument sans aucune forme de pitié. Bienvenue dans Cyberpunk. Aujourd'hui, lunettes plus de portée, durée de visée, portée. Bah, va pour ça. Le Propecta et un module. Effet de statut, arme non létale. Et augmente les chances de coups critiques. Allez, let's go. Let's go, voilà, avec ça. Ouh. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et si je m'accroupis? Oh, c'est encore plus précis. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va faire mal, hein. Clairement, c'est un fusil qui est fait pour percer les véhicules. Aujourd'hui, nous sommes dans une planque du Maelstrom. Vous entendez qu'à l'intérieur, ça dépote assez sévère. Il y a une voiture qui a explosé à l'entrée. C'est une véritable zone de guerre. Voyons voir ce qui s'y passe. Là, des résidents. Des autochtones. Oh, 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 comme à la fête foraine. Ouh, les ballons. Ah ouais, vas-y, c'est ça. Allez. Oh, les ballons de la fête foraine, je suis tellement fier de moi pour ça. Par contre, c'est quand même la mort la plus rapide et la moins violente qui soit. C'est ultra violent, Bob. Ah bah les mecs, ils l'ont pas senti. À un moment, ils étaient là. La seconde d'après, ils y étaient plus. Pas de souffrance, pas de réalisation, pas de rien du tout. Des rêves, des espoirs. Merci, bisous, au revoir. Allez. Chez nous, on règle les problèmes ici. La thérapie concussive. Putain, j'y vois rien du tout. Ah, il faut monter sur ce bout de rue, là. Putain, mais c'est quoi cette guerre civile, ici? Bon, en même temps, je dis ça en me baladant avec un fusil pénis de la taille du Kentucky, si tu veux. Il y a tout le Texas qui rigole dans ce fusil. Putain, j'ai chu. C'est trop bas. Là, voilà, on y est, c'est pas mal. Allez, voilà, pas mal. Alors, analysons ce qui se passe déjà. Oh merde! Un collègue! Oh putain! Blessure par balle de gros calibre dans le dos. Sniper fight! Retiens-toi avant qu'il soit trop tard. C'est bon, je le tiens. Je le tiens. Un C, BD, BD. Un C, voilà, très bien. Tout est installé. Petit ping. Voilà. Ouh, il l'a payé. Bob, tu fais exprès de tirer à côté? Ouais.
Thérapie concussive. Ouh. Acheter un coup d'œil. Et voilà! Les démons de la guerre. Ah putain, j'ai dû lui faire super mal. Aïe, 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 aïe. Bon. Voyons voir. Vieil Edge Runner. Ça a l'air super ouf en plus. Nekomata, qui est encore plus puissant que mon sniper. Il est plus puissant que mon sniper ou pas? Fais voir, attends. Il est plus puissant que mon sniper, je suis dégoûté, je viens juste de le crafter. Très bien. Fouiller la zone pour rassembler des informations. Jusqu'à quel point c'était encore la guerre pour ce gars? L'Amérique après la guerre. Quatrième guerre des corporations, blablabla, 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 nationaliser le genre d'armement militech, très bien, très bien, très bien. D'accord. D'accord. Ah, j'ai appris des choses incroyables, mais je crois pas que ça nous avance quoi que ce soit pour le Schmilblick. Je pense pas qu'il avait caché du porn dans les dans les données serveurs d'un satellite, si tu veux. Mais bon, essayons. E9557A1C. Voilà. E9557A1C. 1C. Voilà, toujours ça de prix. Rien ici. Voiture en panne. Ah, ça a eu la politesse de me dire où est-ce que ça se trouvait, c'est ça? Non. Zéro. Un grill. Attends, range ça. Merde, d'ailleurs, je vais être sincère, j'ignore ce que je cherche. Il y a un indice, mais ça c'est juste un gars, ça c'est un autre gars. Ah, 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 là. Ordinateur. Viens voir. Ordinateur, dis-moi ce que j'ignore. Commande urgence. Saisi. Ah, il s'est fait saisir son... Ouais, c'est ça. Vous serez expulsé avec le système droit de tuer, très bien. Ah, et annulation de la couverture psychique, cyberpsychique pour le syndrome de la guerre du Golfe. D'accord. Du coup, bah il a craqué. Ah, ok, bah tout s'explique. Bon. Tout s'explique, tout s'explique. Parfaitement compréhensible. Je t'ai laissé un petit bonus, très bien. Voilà, les diamants de la guerre. Notre psycho a son compte, mais il respire encore. Je te transfère les données que j'ai rassemblées. Apparemment, c'est un ancien merde qui bossait pour une corpo. À la seconde où il a cessé d'être utile, ils l'ont jeté à la rue. Il a toujours ses implants de combat, il souffrait de stress post-traumatique et a arrêté de prendre ses médocs. Tu devines la suite. Merci pour tes efforts. Un ami flic m'a transféré ses données. Pauvre gars, il avait la tête complètement déglinguée. Merci de t'être chargé sur cette affaire. Pas de problème, bébé. Voilà. La guerre, c'est fini, gros. Alors. Très bien, ça. Ouh, le robot aussi, il a lâché des trucs, fais voir. Ouais, du matos. Ah non, je suis trop gros. Je suis trop obèse. Mais Bob, elle est censée pouvoir les aider. Ça va pas, moi je laisse pas traîner ça. Hein. Des citoyens dans Night City, on en a plein. Si on en perd un ou deux, c'est pas grave. Comment tu peux faire ça alors que Jackie est mort? Jackie est mort en s'attaquant à la plus grosse corpo que le monde n'ait jamais connue. Écoute,
Si dans Cyberpunk 2077 tu t'infiltres dans les quartiers à McDonald's, McDonald's va sortir le lance-missile. C'est tragique, mais on n'y peut rien. Alors. Et en plus, on a gagné une voiture de police. Et si ça, c'est pas la classe, je sais pas ce qu'il vous faut. Attends, comment je fais pour éteindre la fanfare? Je peux ou pas? Non, je peux éteindre les phares, mais c'est tout. Il a rien le droit de dire, c'est moi qui conduis. Ouais, il a rien le droit de dire, c'est moi la police. Excellent. Alors ça, c'est juste un véhicule. Donc ça casse les couilles. Ça, c'est un véhicule, ça, c'est un véhicule. Ça, c'est des objets de Netrunner. Ça, c'est... On commence à faire du ménage, hein. Il va falloir qu'on avance l'histoire principale. Il reste encore peut-être 2-3 missions qui traînent, mais ça, c'est un véhicule. Ça, voilà. Contrat, on tient ta femme. Entrez dans l'atelier. Sauver Laurel Nocostigan des Tiger Claw. Oh putain, les Tiger Claw, je peux pas utiliser, mais... Bon bah écoute, vite! C'est une mission pour la police! Oh mon dieu, vous êtes de la police? Non, j'ai juste emprunté leur véhicule. Il a la chiasse, c'est moi aujourd'hui la police, madame. Oh là là, la cyber police! Avec la musique de Funky Cops, mais en robot. Hein. En auto-tuné. Ouais, bon bah allons-y. Mettez la radio pour voir. Pas de radio. Pas de radio pour la police. Ça distrait. Bienvenue à Paisable FM. Aujourd'hui, les têtes sont mises à prix. $15,000 au policier qui rapportera la tête. Ah putain. 15,000$ au policier qui rapporte la tête de celui qui a designé ses voitures. Alors ouais. Bon écoute. Si je conduis légèrement en diagonale comme ça. Ouais, c'est lisible. Putain. J'ai réussi à pas avoir d'accident. Entrer dans l'atelier. Pacifiquement ou Ok, attends. Impeccable. Le mec, il a tout eu, hein. Il a eu les yeux qui l'ont grillé, il a tout oublié, il a le cerveau qui a bugué, mais mille fois. Hein. Et touc. Ça, c'est des points d'ingénierie gratuits, ça. Gratuit. Moins cher que gratuit. Ensuite.
Bon, déjà. On va commencer par ce connard. Là. Et oui, je l'ai assommé, je l'ai pas tué. Parce que tant que j'ai pas trouvé Lorraine Costigan, je commence pas la violence, si tu veux. Un petit ping pour le projo. Oups. Gros bruit. Non, non, c'est rien, t'as rien vu. T'as rien vu, t'as rien entendu. Voilà, arrête de faire attention à moi si tu veux bien. Si tu veux bien. Ah, très bien. C'est que personne a l'air de l'avoir vu. Personne m'a jamais vu, si tu veux. Alors, voyons voir. Utiliser se connecter. Se connecter, déjà, c'est gratuit. Quand c'est moins cher que gratuit, on prend, hein, on accepte. Voilà, très bien. Cette AE9, tu veux ? Eh, tant pis, allez. Très bien. Ça voilà. Encore ? Et décidément. C'est un C. Là. Voilà, très bien. Très bien, donc ça c'est moins cher que gratuit. On prend ça aussi. On récupère l'agneau. Ça, les munitions. Forcé. Voilà. Des douches. Avec absolument rien d'incriminant. C'est un problème parce que je sais toujours pas où se trouve Mademoiselle Castigan. Là. Bonjour, vous avez déjà fait des godmiché en forme de lame? Je veux pas qu'il coupe ni rien, mais qu'il ait la forme d'un katana. Je vous transmets une photo de bite et une photo de katana utilisée comme référence pour la création. Fichier indisponible. Waouh, les mails personnalisés de Benzaï. Ah non, mais pas du tout, mais c'est pour mon prochain Hard Corner. Hey, vous avez déjà vu le mélange entre une bite et un katana? Voici. Point, point d'un point, point. Point d'un point, point d'un point, point. Ok, très bien. Alors. Merde, c'est tout quelque chose. Vite. Ha 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 ha!
Les ennemis sont en alerte. Je me balade avec mon Gus. Bon, pour l'instant, je suis toujours safe. Hein. Ils m'ont toujours pas vu. Hein. Ils savent toujours pas où je suis, ni si que j'existe seulement. À part lui, qui pense avoir vu des choses, mais il a oublié. Il s'est pas rendu compte qu'il a jamais été au courant, si tu veux. D'accès. Qu'est-ce qui se passe? Chier! Ah, tant pis! Non, mais c'est rien! C'est. Oh, et puis merde! Petit! Bonjour! Dans les couilles! Bonjour! Derrière vous, madame! Bien vu, hein. Non, parce qu'à un moment, ça va bien, hein. Voyons voir. Ouh, ils font des bouts de katana ici. Waouh. Une vraie usine, eh. Une usine clandestine de sabres. C'est fou, je croyais qu'on voyait ça que dans les camps de gitans des fêtes foraines. Aucune autorisation trouvée. Très bien. Ça doit traîner, ça. Vous rêvez de dire un événement. Sautez sur l'occasion. Accès autorisé. Ah ah. Un pistolet. Des chewing-gums que je peux pas récupérer. Très bien. Nique-moi, j'imagine. Oh, un katana rouge fluo. Oh. Oh yo. Oui. 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 Nous y. Parfait. Je suis dedans. Accès autorisé. Ah. Vous voulez quelque chose? Madame, bonjour. Patientez quelques instants, s'il vous plaît. Shino Samurai. Si, si, si. Voilà. Je peux prendre le monte charge ou pas du tout? Ah, merde. C'est possible de cyber booster? Merde. C'est possible de cyber booster contre avec un double saut de ouf là. Merde. Ah, je l'avais, hein. Ah, je suis dégoûté. Ah, bon, je suis monté quelque part, mais tant pis. Pec. Détekoi Samurai. Ce katana rouge fluo, il est mais merveilleux. Laissez-moi me débarrasser des armes alourdissantes et malheureusement peu puissantes. Voilà. 28 kilos, ça devrait suffire. Ok. Bien. Bip. Voilà.
quand je range mon arme. Ah oui, comme ça, oui. Attendez. Hop. Voilà. Ah putain, je peux pas. Ah, non, ah, ici, là. Ah, tant pis. Non, parce que ce serait... Je range mon arme parce que ce serait dommage de lui faire peur à la pauvre enfant. Elle pourrait penser que je suis un monstre. Bonjour, mademoiselle. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, le manspreading, tout ça? Je suis là pour vous faire sortir. Hein? Votre mari m'a engagé. Je vais vous mettre à l'abri, venez. Cette espèce d'abruti de Boaria, stupide! Ah bon? Eh ben, faut pas dire ça, madame. Il m'a donné de l'argent. Eh, du calme. Il faut que vous m'aidiez, je vous en supplie. Je t'écoute. C'est pour ça que je suis là. Allez, debout. Hop, pardon, j'étais en train de me resservir à boire. Baissez-vous, restez près de moi. Vous partez en courant sans en avoir rien à foutre, oui. Oui, c'est possible aussi. Pas comme ça, mais putain! Ching! Silence! Merci. Si tu te montres, on te fera pas de mal! Sur la vie de ta mère! Sur la tête de la tienne! Soy! Soy, soy! Yatazé! La prends? Merci quand même! Ah putain! On m'a fait peur cette conne! Alors, comment on ouvre ce portail? Ah oui, bah remarque, oui, ça marche aussi. On a eu de la chance, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Voilà. Je vous en prie, madame, la limousine vous attend. Montez dans le coffre. Sandra! Sandra, Sandra, Sandra! Tu es dans une rare beauté aujourd'hui. Y a quelqu'un qui pourrait vous aider? Ma mère. Dites-lui de se planquer quelque part. Ils vont chercher votre famille, vos amis, vous comprenez? Oui, oui. Et pour Brad? Pour l'instant, occupez-vous juste de vous. Hé, montez. Je vais vous conduire en lieu sûr. Merci. Soyez prudente. De rien, madame. Et rappelez-vous, avec les services de Billy, vous bénéficiez d'un code de réduction de 10% sur Raid, Shadow Legend, Cyber et... Allô? Lorraine est en sécurité. Je préviens Bradley tout de suite. Merci pour ton aide. Contrat bouclé. Bon. J'ai deux niveaux à mettre. Eh ben, j'aimerais bien, très sincèrement, brave Jean, j'attends impatiemment d'atteindre le niveau 14 de la capacité technique pour mettre charge monstrueuse, augmente les dégâts des charges techniques entièrement chargées de 50%. Et il y a ça aussi, annule le tir automatique des armes techniques chargées au maximum. Et je vous avouerai que ça me fait un petit peu saliver. Donc on va booster nos capacités, si tu veux, et attendre patiemment que tout ceci se débloque. Parce que quand on aura ça... La taille de nos canons pénis. Ouh, bébé. Non, pardon, c'est pas vous que je cherche. Ah, merci. Là. Ça, c'est une bonne moto, ça. Impeccable. Alors, donc, Nazaré Racer, on s'en fout. Trouver le taxi de la main, il se part ici. Ah, ça pourrait être intéressant. On me dit que j'ai reçu un message, je vais voir, attends. Bugbear. Je peux l'appeler. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis tellement mauvais à me servir de ce portable, même dans le jeu, c'est honteux. Bugbear. Non, j'imagine qu'elle a pas décongelé. Ok. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Administrateur de Mega Build, de la main, Evelyn Parker, Jackie Wells. Mais c'est tout. Tu vois? Tant pis. Autre chose qui arrive. Est-ce qu'il y a des messages?
On me dit de regarder les messages. Non, il n'y a pas de message. Victor Mandor, régulatrice du NCPD. Sébastien Patrick. Look. Ah, mais c'est ça qui me parle! Putain, d'accord, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Moi, je cherchais le truc qui me disait look, look, look. Moi, j'étais à book, book, book. Qu'est-ce qui me book? Et en fait, tout va bien. Ok. Pas moyen de rejoindre. Quoique j'ai peut-être. Ouh, wait. Là, ça vend des armes. Qui dit armes dit argent gratuit. Bonjour. Enchanté. Il y a un type de crasheur dont il faut se méfier. Le sort 22. Quelqu'un a balancé une carison entière au marché noir. Ça rigole pas. Une balle, et vous êtes mort. Ça a l'air dangereux, c'est pas ce que j'ai. Non, moi j'ai le grade. D'accord, tant pis. Qu'est-ce que vous avez? Nouveau dans le coin? Entrez, entrez. Bon, alors, qu'est-ce qui... Le carnage en légendaire. Le sort 22, fusil de précision cinétique. Effectivement, il a l'air bien. Je préfère le mien. Le mien a l'air d'avoir plus de calibre, si tu veux. Il a l'air de balancer des bras de bébé un peu plus grands. Il vend des munitions, il vend des câbles Asus, il vend des plans de fabrication. Je vais tous les prendre par acquis de conscience. Je sais que c'est un peu cher, mais de toute façon, hop. Canon, HPO, 44 lunettes de précision, c'est un arme. On va le prendre, ça a l'air fun. Ça a l'air fun. En attendant, nous allons refaire donc la... comment ça s'appelle ? Nous allons refaire le câblage de ce brave homme. Voilà. Voilà. Monsieur, puis-je vous intéresser ? Des câbles Asus. Très bien. Pour 22 000 $ de câbles Asus. Allons-y. Voilà, impeccable. Et qu'est-ce qu'il me vend d'autre ? Non, mais rien d'autre. Hein, dans l'absolu, moi, je vais pas lui acheter plus de ça. Mais du coup, voilà, c'est très fort aimable à lui. Qu'est-ce que... Milfgaard. Oh oui, avec les pistolets et tout. Pas mal ça. Pas mal si tu veux te faire marcher dessus et tirer un coup. T'en fais pas, gamin. Ta maman, elle va te rendre ta PlayStation hein, dans 2 semaines. Quand t'auras fait tes devoirs. Il a l'air tellement vexé. Ok. Trouver le taxi de la main, Norfolk. Allons-y, allons-y. Là, 800 mètres, vous avez une petite distance, mais profitons de l'ambiance musicale du jeu. On va voir ce que ça propose. Royal Blue Radio a jamais rien dessus. Ça fait chier. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a les droits d'auteur qui sont désactivés et qu'il n'y a que des musiques. D'accord. Oh, c'est trop bien ça. Allez, vas-y. Ah, oh, je suis sur Amiga, on joue à Body Blows. Ah putain, je voulais voir absolument la coiffure de la punk, mais j'ai pas réussi, je suis désolé. Pas mal. Hop. C'est bon ça. Utilisation avantageuse des virages. Ouais, c'est ça, je klaxonne aussi, connard. Pardon. Là, pas mal. Pas mal. Merci, je vais voir si je le trouve. Ce serait pas ça, là ? Non. Non, et il est en train de me semer, l'enfoiré ! On va couper ! Qu'est-ce qui... Mais...
j'ai dit... Mais... Mais... Mes motos ! Je n'en peux plus. C'est trop... J'y suis ! Hein ? De quoi tu parles ? Il faut te ramener en lieu sûr, alors. Au garage. Pardon, je voulais m'accroupir. À travers les rues ? Ouais, j'en ai bien peur. Bien. Dans ce cas, conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Vous pouvez monter, mais roulez prudemment et ne heurtez rien. Oh ! Attendez, excusez-moi, je vais peut-être voir s'il n'y a pas une sauvegarde automatique qui s'est faite pour laisser le texte, mais apparemment il a l'air dépressif. Ah si si, fais voir, attends. De toute façon. Et en fait, c'est un taxi, il fait le tour du rond-point à l'infini. Il fait juste le tour du rond-point en fait. Ah putain. Ce robot qui s'est rendu compte avec un simple calcul de statistiques qu'Internet c'était à 10 000% du porn. Et de lui. Tout ça c'est de la faute aux Fujo, je l'avais déjà dit. Hein. Depuis Fire Emblem, elles sont incontrôlables. Incontrôlables. Merci, je vais voir si je le trouve. Je n'en peux plus. C'est trop. Hein ? De quoi tu parles ? De tout. La ville, l'agitation, la foule. Je ne le supporte plus. Il faut te ramener en lieu sûr alors. Au garage. Ouais, j'en ai bien peur. Bien. Dans ce cas, conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Voilà. Vous pouvez monter, mais roulez prudemment et ne heurtez rien. Promis, tu sais quoi ? T'as demandé poliment. Moi, ça me dérange pas. Putain, c'est ça c'est ça la musique qu'ils écoutent les robots ? Tu m'étonnes, ils dépriment. Écoute, j'ai amplement pas assez de drogue dans mon système pour apprécier ce genre de tonalité musicale, ok ? Ça devrait te remettre la pêche. Allez, pépi. Hop, 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 hop. Et on fait tournoyer 5 mégabits. Ralentissez. Pas mal, on tourne à droite. On fait attention au feu rouge, hein. Il n'y a plus de feu rouge apparemment, ça n'existe plus. Hein. Ah, quand même. C'est confortable quand même l'intérieur d'une de la main. Ça vaut le coup, hein. Au bout de combien de kilomètres il s'énerve ? 70 ? 60 ? J'ai pas le droit d'aller trop vite sinon il s'énerve. Et si je conduis de l'autre côté de la route ? Ça passe !
Mais... pour me calmer. Putain, mais je rêve! Je regarde ce qu'il y a. Ok, bon. Voilà. Non. On ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Delma, les phares, s'il te plaît. Merci, Delma. On va mourir. Oui, ultimement, oui. Et toi, très probablement d'un accident de la route, parce que t'es une voiture, mais bon. Une grenade est si vite arrivée. Là, voilà, c'est fini, tu vois ? Je ne serai pas seul ici. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était horrifiant. Mais je vous remercie quand même. Eh ben. Excellent. Je vous remercie sincèrement pour votre aide, V. Je viens de vous envoyer une partie de votre argent. À quoi bon ? Fort aimable. Bonjour. Mais que fait la police? Mais que fait la police? Acheter le véhicule Brennan Apoho. Contrat, la collection privée du seigneur Ladrino. Aller au Dicky Twister. Difficulté très élevée. Ah, c'est ce genre d'ambiance. Messieurs, bonsoir. Tu vas où comme ça? On paye à l'entrée. Oh, mais j'ai bien l'intention de payer à l'intérieur. Plus sérieusement, je suis plombier. Ouais, sauf que je viens réparer la sono. Les caissons de basse intégrées font trembler les murs. T'es pas sur la liste. Vas-y, appelle ton patron pour vérifier si tu veux. Mais je te préviens, je suis payé à l'heure. Alors tu lui fais perdre des édits, là. Ok, c'est bon. Vas-y. T'as perdu toi. Et puis, dis-toi ça. Soit je suis un faux plombier, et dans ce cas-là, je suis venu ici pour me faire prendre par derrière ou prendre les devants. Soit je suis hétérosexuel, et je suis potentiellement une nouvelle clientèle. Hey, oh la vache. Mister MV, vous ici. Non, je déconne. Oh là 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 là. Ah, au moins ils font la promotion de la protection. C'est bien. Madame, vous... Ah, tout est en règle. Je crois pas qu'on ait été présenté. Je m'appelle Vili. En breton, ça veut dire énorme pénis. J'espère que ce que je fais est pas suspect. Allô? 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 Oui? Oui, maman? Non, maman, écoute, je peux pas te parler là tout de suite. Non, oui. Quoi? Bah, si tu veux, je pourrais te le présenter, mais... Non, maman, maman, je suis au milieu d'un truc, là. C'est ça. Bisous, je t'aime aussi. À plus tard, maman. Oui, je vais prendre un martini, s'il vous plaît. À plus tard, à plus tard. Pardon, pardon. Je m'amuse juste beaucoup trop. Voilà, très bien. Maintenant que je suis plus là pour m'auto-déconcentrer, si tu veux.
T'as la sécurité ici, ça se fout de la gueule de personne. Putain. Bon. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pense. Mais vous en faites pas, j'ai les astuces. Ah, j'ai pas là, d'accord. Ok, très bien. Je disais que j'ai des astuces, mais en fait, pas du tout. Hein. En vrai, je suis entièrement au-delà de mes pompes. Hein. Que ce soit en termes d'armement, que ce soit en termes de points de vie, que ce soit en termes de trucs. J'espère juste que c'est une quête qui peut se faire... sans effusion de sang. Sinon ça perlipe au pute, ça va mal se passer. Première chose à faire, désactiver la caméra. Deuxième chose à faire, tousser. J'arrive. Le corona, tout ça. Troisième chose à faire. S'infiltrer discrétieusement. Rien entendu. Zone hostile, non, sans deck. C'est une menace? Sérieux? C'est ce qu'on... À la seconde où il m'a vu, il m'a repéré, mais instantané. Pourtant, j'y étais, hein. Je le tenais, hein. Mais Z, j'ai appuyé sur Z, mais ça marche pas. Je suis en QWERTY, AZERTY... Les touches sont cheloues dans ce jeu, hein. Ils ont jamais réglé ça pour l'AZERTY, hein, de base. Hein. Ça, les jeux qui font ça m'énervent. Régler ça pour les pays dans lesquels tu vendais, merde. Tu veux savoir si je l'ai? Enfin. Voilà, au moins. Ah, allez, bon. Un gars qui dort.
Champagne. Vodka. Merde, aucune autorisation trouvée. Ok, sortir du Dicky Twister. Et honnêtement, c'est tant mieux que j'ai réussi cette mission discrète. Parce que si j'avais dû faire une... si j'avais dû faire une fusillade dans un club gay... je pense que le commentaire politique, il aurait été trop... il aurait été trop marqué, si tu veux. Voilà. Wouhou ! Hey ! J'ai reçu les fichiers de Dicky Twister. Je m'en réjouis. Et tu devrais aussi... car le contrat est clôturé et des honoraires ont été versés. Amen. Amen. Eh ben très bien. Bonjour. J'ai pas d'argent. Non mais t'as une voiture. Ah parfait. Impeccable. Bon c'est, ça s'est très bien passé. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? L'efficacité du Lennon. Oh là là là, je suis fier de nous. Hein. Je suis fier de nous. Neutraliser les criminels en cours. Danger élevé. Ça veut dire que c'est prenable. Élevé, c'est prenable. Yo yo, t'as des édits qui te... Eh ben, si je pouvais, je lui ferais l'amour à cette voiture, c'est ce qu'il dit. Une Caliburn, eh ben. Comment ça va? Très bien, merci madame. Ok, très bien, on progresse. Alors... Elle crime, elle crime, elle crime. Il y a du crime, là il y a du crime. Ah ah, et le crime a lieu ici. Préparons-nous, ils sont difficultés élevées, mais pas très élevées, donc ils sont pas impossibles. Ils font des bruits de méchants de canne de survivant cependant, hein, mais bon. Aidez-moi! Mais on y travaille ça monsieur. Alors, la mitrailleuse c'est pas une bonne idée, le fusil sniper grade c'est bien, le katana c'est une très mauvaise idée mais après tout j'ai rien de plus drôle. La mitrailleuse déjà par contre, je vais reprendre mon Bulia, il est là, très bien. Toujours mon fidèle Bulia. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on commençait par celui qui était tout seul? Eh... Olé! Oh là! Parce que s'il est pas très difficile. Par contre cette voiture, cette moto blanche, elle est magnifique. Hein. Cette moto blanche, elle est merveilleuse. Laissez-moi juste désenchanter une ou deux de mes armes péraves là. Putain. C'est assez mal chié ça quand même. Comme système. C'est quand même mal foutu. C'est mal foutu. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça, c'est de merde. Faudrait un truc qui te permette de décraft automatiquement tout ce que tu ramasses. Hein. De vert ou de blanc, tu vois. Par contre, cette moto blanche, elle est fantastique. Celle-ci aussi, elle est belle. Oh là là là, c'est des beaux modèles, ça. Oh, c'est la même que la mienne, mais en noir, fais voir. Oh là 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 là. Bon, par contre, la sécurité est vraiment à chier dessus. Hein. Il suffit de s'asseoir dessus, elle se lance. Hein. Tant pis les clés, tant pis tout ce que tu veux. Enfin. Chingada madre. Esto no está bien. Hop là. Bonjour. Regardez ces gens qui s'approchent. Qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Pendejo. Que pinche jueguito es este? Al carajo, órale. Elle se doute de rien, elle. Bonjour! Et voilà. Encore une victime de la rue. Ouh, 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 ouh. Ay, chiquitito, no te la vas a acabar.
grenade. Double grenade. Ah merde. Tant pis. Je pensais que l'escalier était plus proche de moi en fait. Et j'ai pas réussi à me mettre en couverture assez tôt. Tant pis. J'ai pas fait de headshot, j'ai pas stratégé. Très mauvaise mise à mal de ma part. Recommençons. Grenade ? Ouais, bah j'ai balancé des grenades, hein. Mais ça leur a rien fait les grenades, ça a pas l'air de les avoir perturbés plus que ça, si tu veux. Non, là. Oups. Bonjour. Deux fois ? Quand même. Voilà, j'ai pris mon temps. J'ai respiré. Oh, et descends. Una vaca. Tenemos una vaca. Voilà. Et je suis trop lourd. Ouais, d'accord. Bah, pardon, il faut que je refasse de la place dans l'inventaire. Oh là 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 là, c'est tellement chiant. Vivement un mode pour place d'inventaire illimité. Hein. Je sais que ce serait pété, braves gens, mais en même temps, il y a tellement aucun intérêt à avoir un inventaire limité dans ce genre de situation. Voilà. Je pourrais tout mettre dans le coffre de ma bagnole, c'est sûr, mais quelle angoisse. Là. Alors. Je m'éloigne. Et je vise. Et non. Bonjour. Apparemment, ils ont aucune difficulté à me toucher à cette distance. C'est assez prodigieux, alors que moi... Ah, double ballon. Et ça, les doubles ballons, c'est beau. Mais non, mais... Oh, c'est pas vrai. Ah, les flics ont lâché l'affaire. Mon cher code gratuit. Toujours offert, toujours gratuit, toujours bien. Ils sont où les œufs? Là. Allez, basta. Bonjour Pendera. Pas mal hein. Merde, lui était déjà mort. Ah d'accord, eux ce sont les victimes. D'accord, ce sont les victimes du crime. Je vois. Et ils ont aussi tué un flic. D'accord, ils se sont rien refusé les gars en fait. Ok. Pourquoi pas, je peux comprendre. Honnêtement, je tiens par contre à dire réellement que le fusil que j'ai est tout simplement incroyable. Le fusil que j'ai est tout simplement exceptionnel. C'est mon fusil et je l'aime. C'est mon fusil à moi. Par contre, ce Nekomata est prétendument encore plus gros. Il a l'air encore plus absurde. Jusqu'à quel point peut-on être absurde? J'ai envie de tester avant de mettre la fin de la vidéo, brave Jean. J'ai envie de tester avant la fin. Vous me pardonnerez, hein, pardonnerez ma curiosité dévorante, mais... Vous voir à quel point ce jeu est complètement... 0% équilibré, si tu veux. Ah bah ici, les développeurs sont venus, ils se sont dit, bah mettons pas de meubles. Attends, tu mettrais quoi ici, Bob? Je sais pas. Autre chose qu'une texture PS2. Écoute, c'est pas Final Fantasy VII. Hein. Ouais. Je vois ça. Voilà. C'est quoi ce sniper avec un casque VR? Mais j'avoue, hein.
C'est comme le casque rouge de Nintendo 3D, là, je sais plus comment il s'appelle, mais... C'est un Virtua Boy, hein. 80 mètres au-dessus, voilà qui ne m'est pas très utile. Un effort méritoire de la part de ma moto, mais malheureusement... Ouais. Là. Voilà. Parfait ça. Bonjour. Pardon. En vrai, c'est goldé ces voitures. Hein. J'en voudrais une comme ça, quoi. Magica. C'est trop bien. Katsa. Il y a même une route juste pour elle. Et ben on teste. C'est rien frère, c'est Night City. On testera le casque VR et le sniper Virtua Boy la prochaine fois, brave Jean. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Cette déglingade.